Yo tout le monde, c'est Primo GMG. On se retrouve pour du Hearthstone aujourd'hui, en espérant que ça bug pas trop. Donc je voulais vous présenter mon paladin quête, et surtout je voulais aussi changer de jeu, parce que faire que du Bing Bing ou du Slice the Spear, bon voilà quoi. Je voulais un petit peu varier. Donc du coup je vous présente le paladin quête. Voilà. Depuis la nouvelle extension, bah voilà, quoi, je me suis un petit peu penché sur ce deck, parce que le paladin c'est une quête, c'est une classe que j'apprécie, et la quête bah, lui a donné un petit goût de renouveau. Donc du coup le but, bon bah c'est de, en début de partie, jouer beaucoup de réincarnation. Moi personnellement, je suis pas trop fan de la réincarnation, le petit Murloc là, hein. Et pareil pour la réincarnation celle-là là, la Volvie réincarnation 4-2. Je les trouve pas spécialement fortes parce qu'elles sont facilement gérables sans forcément qu'on tape dessus, et donc du coup ça fait que bon bah voilà quoi. J'ai préféré mettre d'autres cartes à la place, comme l'anti-prismatique, comme deux consécrations pour gérer les AOE, enfin pour gérer plutôt les débuts de partie qui sont assez compliqués contre les aggro. Pareil, cristallographie, je les mets en un seul exemplaire. Je mets aussi une exploratrice, pas deux, même si bon bah il y a des fois où j'arrive pas à la choper pendant la quête, donc ce qui est dommage. Et je mets aussi une bénédiction de la sagesse. La bénédiction de la sagesse, en général, je préfère la garder pour quand j'ai la quête, pour la mettre sur l'œuf ou une connerie du genre que je dupliquerai pour après avoir plusieurs fois la bénédiction de sagesse et piocher plus facilement le reste de mon deck. Donc là, je suis rendu rang 15 et bon, on va faire ça tranquillement. Ouais, c'est la mauvaise deckliste qui est mise pour le moment, parce que j'ai fait des parties avec mon prêtre au silence pour valider une quête. Donc on espère que ça s'actualise. Uther contre Anduin. La lumière nous apportera la victoire. Je combattrai avec honneur. Alors, voilà, c'est bon. Bon, déjà on sait que le prêtre c'est pas une classe qui va jouer beaucoup de petites cartes. Donc consécration, bon bah voilà quoi. Mais appel de l'aventurier peut être pas mal, parce que ça va me donner un micro momie amélioré, ou alors le berserker du temple qui sera amélioré aussi. Heureux de vous rencontrer. Bonjour, voilà, parce qu'on est poli, on est un mec comme ça. Salutations. Et ben, du coup, on va voir ce que ça donne. Waouh. Quelqu'un est blessé. Il y a un souci sur la taille de l'écran là. Attendez. Je vais faire ça après mon tour. Je me demande. Ah, mais ça prend. Me réveille. OBS. Non, oh, infirmier. Est-ce que mon deck tracker est comme ça? Je comprends pas. Pourquoi est-ce que ça donne ça? Mais oui, c'est la bonne direction. Fuyez! Ça commence bien. Je vois que le deck il déconne. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le truc là? Ça va me saouler ça par contre. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas mon deck? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la decklist? Allô? Me réveille.
tenir encore longtemps. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas l'électricité en fait. Mais ça va les soins, mais ça va. En fait, le mec il met la top deck toutes ses cartes. Voilà, tout simplement. C'est abusé. On est tour 4, mais il a déjà soigné 15 fois. Il a déjà soigné 15 fois, on est tour 4. Est-ce que c'est normal? Je crois pas, non. Je crois pas. Une nouvelle arme à consommer. Je crois pas que c'est normal qu'il ait joué déjà tous ses soins, tour 4. Enfin... C'est pas normal. Ce n'était pas sur la carte. Donc ça top deck bien comme il faut. Nickel. Mais putain, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ma decklist? Toujours pas. Ça ne va pas s'afficher. Je me demande... Moi, j'ai pas 50 écrans, j'en ai qu'un seul. Du coup, c'est compliqué. Mais là, mais j'y crois pas, quoi. Mais c'est impressionnant comment ça s'est passé, en fait. Le mec, il a top decké toutes ses cartes. Je suis choqué. Je dois choisir vite. Juste ça, là, c'est impressionnant. Le mec tour 4, eh bien, il a déjà fini sa quête. Rajoute-en. Ah. Moi je trouve ça un petit peu exagéré, moi je sais pas vous, mais moi oui, moi je trouve ça bien exagéré. Mire sa quête tour 4 alors que bon bah faut soigner 15 fois. J'étais pas encore tombé là-dessus. Pour des prêtres avec la quête j'étais déjà tombé dessus, mais bon en général ben, la quête est plutôt longue à mettre en place. Moi en contrepartie, bah, je chope pas mes réincarnations. Alors ça s'est toujours bien passé jusque là. Douleur, c'est sur moi tes mots à l'oreille. Mais bon. Donc là, bon, pas faire grand chose à part subir. Notre foyer. On chope nos réincarnations au coup de goutte. Après j'ai peut-être mal joué, je sais pas. Mais ça m'étonnerait. J'ai juste rien pu faire. Donc, je suis désolé, mais j'arrive pas à afficher ma decklist pour le moment. Je vais voir après cette partie qu'est-ce que je peux faire. Parce qu'elle est là. Elle est présente. Je l'ai faite, ma decklist. Elle se met toujours en arrière-plan avec le stream. C'est perdu. La victoire est à partir. Bon, la première partie qui est un échec, malheureusement.
petite, ben, elle a l'air de rester sur place là. Tant mieux. Donc, on va recommencer, hein. Mauvaise partie, ça arrive, hein. Le deck n'est pas parfait. Hein. Et là, ouais, le mec, il avait fini sa quête tour 4, quoi. C'est impressionnant, il avait déjà fait 16 soins, ou 17, dès le tour 4. C'est impressionnant. Juste, c'est impressionnant. Uther contre Rexar. Mais bon, ce n'est pas grave. Je l'attrape. On recommence. Je combattrai avec honneur. Donc là, bon, on va garder quand même l'appel de l'invocateur. Les gens achètent du réincarnation. Ouais, c'est certain. Heureux bon, de vous rencontrer. Hein, parce qu'on est poli. Décidément. Bien le ça veut pas. Bah dis donc. Bah dis donc. Ça pour vous. En général, j'arrive à choper l'exploratrice quand j'utilise cette carte là, qui donne +3/+3. Mais bon, des fois ça m'arrive de choper du coup celui-là ou alors de choper le berserker du tempête. Du temple. Bon, du tempête. On va en dire. J'aurais peut-être dû mettre celle-là en fait. C'est pas grave. C'est pas trop d'importance. Je mets celle-là, mais il va forcément la trade au prochain tour. On va mettre ça tranquillement. On va prendre notre temps pour mettre la métronomie. J'aurais pu la mettre aussi, hein, mais bon. Le problème c'est que du coup, bon bah, c'est pas trop grave, mais j'utilise pas tous mes cristaux de mana. Quoi. Je me réveille. Au prochain tour, on aura déjà fini la quête. Je me demande. Ah là, j'ai deux solutions qui s'offrent à moi. Laissez-moi soit réfléchir. Je mets celle-là, provocation, ou soit je mets celle-là, et du coup je vais aussi valider ma quête dans tous les cas avec les deux. Et après, ben, je pourrais magnétiser du coup ben, celle-là sur ma micro-momie pour après faire des trades. Vite. On va plutôt mettre celle-là. Hop. Ça la coupe est validée. Ça coûte celle-là pour faire une attaque. Yes.
100 en trading, bah, du coup il va la perdre hein, sa carte. Il va sûrement utiliser Niel, ça ne m'étonnerait pas. Un petit peu top deck là. Bon. Je me demande. Je pense qu'on va faire ça. J'ai fait ça, j'ai copié du coup ma petite carte avec réincarnation et je trade. Du coup, on inverse, je trade, j'utilise. Non. Je copie ma carte. Je trade. J'espère que ça va pas trop fort. Victoire. Mais... Oh putain, je suis trop con. Je voulais juste aller dans option. Bon bah voilà comment perdre une partie. Hein. C'est comme ça qu'il faut pas jouer en fait. Tout simplement. Donc du coup on va baisser le son maintenant. Mais maintenant je peux plus capituler. Voilà. Et bon, maintenant on peut repartir. Je voulais juste baisser le son, je voulais pas capituler. J'étais en train de. Bah voilà, j'étais en train de tomber dessus. Hein. Et au lieu de ça, bah, j'ai préféré bah, abandonner la partie. Ok. Uther contre Arthas. Ok. Donc ça c'est. Voilà, c'est ce qu'il faut pas faire dans le jeu. Je combattrai avec honneur. Donc c'est super. C'est totalement stupide ce que je viens de faire, c'est totalement stupide. J'étais en train de gagner, enfin j'avais la victoire là, c'est bon, j'avais gagné. Hein. Et l'autre ça, ben non, le mec avait capitulé le dé dans option. Les boules quoi. Je suis vraiment mauvais, je sais pas ce qui s'est passé là. Mais bon, c'est pas grave. Allez. On y va. Donc cette partie, la partie juste avant, ben, elle compte pas. Hein. Voilà. C'est comme ça. Hein. On est con. Hein. Ça existe encore les paladins face. Enfin les paladins gros. Désolé, hein, voilà, j'étais pas réveillé, c'était une partie de chauff. J'ai donné la victoire à l'adversaire, je sais pas pourquoi. C'est le stress du stream, ça. C'est bon, vous me stressez, les mecs. Ou les gars, ou les meufs, ou je sais pas. Ou les insexués. Laisser faire les trades, il n'est pas dangereux pour le moment et j'ai toujours la petite championne. Par contre on va faire ce trade là.
mais la partie juste avant, je me bats contre un chasseur, tout va bien. Je vais pour aller dans l'option pour changer le son. Et l'autre sauvage, je capitule. Alors que j'étais en train de gagner, j'ai mon pouvoir héroïque, enfin mon nouveau pouvoir héroïque, je commençais à prendre le terrain. J'ai préféré capituler. Donc voilà. C'est l'histoire de ma vie. De toute façon, il n'y a pas de confirmation, c'est tu capitules. Non, j'ai pas l'habitude de baisser. Bon, en espérant qu'il n'y ait pas de limon. Bon, mais ça n'a pas l'air d'un bizarre. Oui, je me déclare sur le chemin. Quelle voie choisir ? Conversion de l'énergie emmagasinée. Unité, précision. Normalement il va faire ce trade là, si c'est pas de bêtises, ou alors il va aller face. Et moi je suis obligé dans tous les cas de trade. A mon avis il va être. Là, je suis à 4 sur 5, il manque qu'un. L'appel de l'aventurier me ramènerait forcément une réincarnation. Ou alors l'exploratrice, j'ai pas de chance. Au moins, voilà. Au moins un deck original, ça change. Ça c'est de la chatte. Là, il y a rien. Là, c'est de la chatte. Hop. Au moins, on est tranquille. C'est pour ça que j'ai pas dupliqué. J'aurais pu, mais de toute façon j'ai mon armée infinie de Kangor, voilà, qui va me ramener du coup mes magnétismes avec leur magnétisme. Mes mécas avec leur magnétisme plutôt, ça paraît plus important. Mais c'est pas grave. Vous avez compris le délire. Oh.
consécration, il a peut-être consécration dans son deck. Donc du coup ça risque de raser un petit peu le board. Mais bon, j'aurais des 8-8 à la place, des 7-7. Des 7-7. Du coup, j'aurai mon armée infinie Kangor derrière qui va pop. Là, ça fait chier, hein. Bénédiction de la sagesse à 6, ça fait mal au cul quand même. Ça fait mal au cul. Que ferait Uther? C'est vraiment un paladin bizarre. Il est l'heure de mettre votre courage à l'épreuve. D'accord. Donc c'est un paladin cheval là. Au rapport. Moi, prends. On a 18, donc je pense pas qu'il puisse me tuer encore. Bon, on fait des trades pour justement essayer de survivre un petit peu. Il me faudra une provocation, ce serait pas mal. Genre le Enyo au module. Que ferait Diviax, ce serait pas mal aussi. Il a compris que c'est dangereux pour lui. Bien joué. La plume est plus forte avec l'épée. C'est bien joué de sa part. J'ai pas eu d'œuf. J'ai pas eu de dragonnet mécanique. C'est dommage.
prochain tour, bah, du coup, on va faire le dragonnet mécanique et on va le cloner. Et là, du coup, il va forcément entrer l'une des deux, là. Je pense. Je peux faire un jet de besoin. Ça, c'est cool. La roue tourne. Et là, j'étais en mode défensif, mais du coup, là, ben, la situation se renverse. Quelle voie choisir ? Hein? Ah, suivez les règles. Bon. C'est pas cool de sa part, hein. Franchement, c'est un fils de pute. C'est bon, il y en a marre des cartes qu'on croit là. Il y a un moment où faut jouer. Hein. Oh. Qu'est-ce que j'ai comme sort? J'ai encore dans mon deck. J'ai l'appel de l'aventurier. J'ai une cristallographie du coup qui ne servira plus à grand chose. Laissez-moi réfléchir. Lui il est dans une situation défensive, je pense pas qu'il arrivera à reprendre le dessus. Ouais, il a pioché ses cartes beaucoup plus rapidement que moi. Ok. À mon avis, il a attaqué. Quelle voie choisir ? Ah non, non, autant pour moi. Ayez foi en la lumière. Ça du coup c'est devenu une carte plus belle. On continue la progression, même si je défends. On gère. On gère. Vent du sud. Venez
bien ce cap, elle est excellente cette carte. Elle est excellente. Loa, entendez mon appel. Là on va sacrifier celle-là. Ah oui, ça va, d'accord. J'aurais bien sacrifié celle-là, ouais. Non. J'ai dupliqué la mauvaise. Mais bon, c'est pas grave, mais j'ai dupliqué la mauvaise. Bravo, bravo, GG à moi. Bon bah on recommence hein. C'est bon, ça repart tous. Contre Jaina. Bon, les mages, c'est pas trop mon truc. Je combattrai avec honneur. Plus. Texte. Texte. On va appeler texte. Voilà. Hein? On peut garder cette main. On a notre pour 1, on a notre pour 2, on a notre pour 3. Heureux de vous rencontrer. Je leur dis bonjour. On est poli. Ça mange pas de pain. Oh putain, je sais pas ce que j'ai. J'ai toussé. Putain. Les mots de gorge. Bien joué. Bien joué. Et du coup, ça a joué son élémentaire de merde là. Ah non. D'accord. Si, ça a joué. Ça commence bien. Ça commence bien. La top deck de l'infini et de l'au-delà. Ah voilà, normalement c'est comme ça que ça se passe. On va la laisser faire les trades. Au prochain tour on met notre provocation, je pense. Quoique, je sais pas. Ouais, on va mettre la provocation. Une nouvelle arme à consommer. Comme ça, au prochain tour, on peut mettre ces deux-là. Ce sera pas dégueulasse. Même si, du coup, ouais, c'est parce que je voulais juste pas avoir le mana flottant en fait. Un jour, je serai comme vous. Oh putain. C'est abusé, ça, par contre. C'est abusé. Hein. Pas exagérer non plus les points d'art dans sa top deck. Parce que cette carte là, elle a que deux exemplaires dans son deck. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Ah, parfait.
Il nous décale notre compétence, enfin notre quête d'un tour, mais c'est pas trop grave. Ça nous a permis de libérer le board. Et là, c'est un petit peu trop dangereux là. C'est une blague ça. Bon bah écoutez, on va fouiller. Oui, c'est la bonne direction. Hop, plus qu'une et on a fini notre quête. Là, ça commence à être vraiment dangereux. Sûr. Encore pas mal de cartes cadeaux là dans ses mains. Nous avons soif de vengeance. Je me réveille. Ça va, les cartes gel, tranquille. Hein. Tranquille. C'est dangereux pour moi. Là, un pyro. Ça va me faire du mal. Je me demande. Ces cartes gel là, ça gèle, j'ai pas encore tapé une seule fois avec. Hein. Et ça fait 4 tours qu'elle est sur terre. Bah, c'est comme ça, hein. Ça top deck, moi aussi ça peut m'arriver. Voilà. Là, gèle rapidement. Et ça gèle encore, et ça gèle encore. De toute façon, il n'y a que ça dans son deck.
coup j'ai pas assez de mana, mais à mon avis c'est un contre ça. Travail terminé. Donc on va utiliser la pêche de l'aventurier pour lui casser son contre-sort. Et là je suis en PLS au niveau des PV là. Mais j'ai perdu. Ah ouais, là, je suis tout. Bon allez, on est dans une mauvaise passe, ça va aller, ça va changer. Personne n'échappe à ma fureur. Je combattrai avec honneur. Pourtant j'ai un deck plutôt équilibré, j'ai plein de tour 1, tour 2, tour 3, enfin voilà, c'est dans... Comment ça s'appelle déjà? C'est quoi le mot? Le mec, tu connais quoi? Juste au cas où. Pas ça joue encore vouloir lapin là. Mais bon. Je me réveille. Bon, tout va bien. Loin d'être en PLS, début de la partie. Mais quand même. Ça se marche. Je prends. Oui, on a toujours de points, mon gars. Réveille. D'accord. D'accord, t'as plus de points, car. Travail terminé. Bah non. Oui, je sais. Mais regarde, vous piochez le serviteur au coût le plus bas de votre deck. Bah, c'est de mana, mais le serviteur au coût. Venez danser au rythme de ma musique. Donc, c'est soit choper celle-là, soit choper du coup. Celle-là, la deuxième comme ça, je vais choper mon celle-là, celle-là aussi, je vais choper. Mais oui, c'est la bonne direction. Non, c'est non. C'est une carte monstre. Je vais choper ça, une carte magique. Je me réveille. Oh, bah, je me... On est sur le deck. Et donnez-moi une quête. Là. Là.
Salut Théo, ça va et toi? Tranquillement? Bah non mec, c'est la provocation. Allez, on y croit, c'est pas encore perdu. On a fait notre quête. Et donnez-moi une quête. Bah arrête là, mais comment ça chatte? Et le mec, il a 30 cartes aussi comme moi. Hein. Il a chopé ses deux lapins. Il a chopé ses deux cartes qui augmentent avec le jeu de cartes. Il a chopé celle-là aussi, mais celle-là encore, je m'en fous. Mais c'est abusé, je trouve, là. Là, c'était difficile de faire pire. Hein. Mais il a chaté, mais comment il a chaté? Heureusement qu'on achète les Iliax, hein. La vache. Ça aide. Est-ce qu'il va pouvoir me les renvoyer dans la main? On dirait pas. Donc il va être obligé de trade. Ça me redonner plein de points de vie. Par la lumière sacrée. Étonnant. Bien, bien, mais en plus il me redonne de la vie ce con. C'était une erreur. Mais pour le moment je peux une pas jouer. Erreur. Je sais pas. Est-ce que je joue mon... Non, je pense pas que je joue mon œuf. On va attendre encore un petit peu. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça aussi. Travail terminé. Ah ouais, là, tu commences à t'inscrire dans la merde, hein, tu commences à comprendre. Une erreur tactique. Merci. Merci. Et donnez-moi une quête. Joli coup. Je capitule. Et voilà. Oh non, il faut gagner sans les jeux. Donc ça fait 2-2. Allez, on est reparti. Ah, il n'y a plus mon deck. Bon bah écoutez, moi ça me saoule là le
Le deck qui veut pas marcher, le deck tracker. Uther, je dirai ça plus tard. Contre Valira. Hop, on va masquer. Soyez sur vous. Non. Je combattrai avec honneur. Vraiment, on va le masquer. On va regarder. Je me réveille. Fuyez. Parfait. Vous m'entendez bien d'ailleurs. Je pense qu'il commence déjà à sentir la PLS. Le truc c'est que j'ai pas de casse-arme en fait dans mon deck. Donc s'il commence à bien augmenter son arme, ça risque d'être dangereux. Notre foyer. C'est la PLS de votre vie. Les œufs. Et là, dès qu'il y revient, ben écoutez, là, je vais vous remettre le deck tracker. Hein. Je comprends rien à ce deck tracker. Un coup il est là, un coup il est pas là, un coup il apparaît, un coup il disparaît. J'ai oublié de mettre ma petite victoire. Hein, parce que de toute façon, allez, Uther contre Uther.
Est-ce que ça va être un paladin quête? Je combattrai avec honneur. Je pense plutôt pour les paladins murlocs. Parce que je les connais, ces petits paladins murlocs de merde là. Vous savez, c'est les decks no brain, sans cervelle. C'est genre vous posez votre cerveau et vous jouez. Voilà. Vous fermez les yeux et tac 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 tac, ça vient tout seul. Je suis sûr que ça va être un paladin murloc. Et si c'est pas le cas, bah je suis un enculé. Au moins c'est dit. Bonjour. Heureux de vous rencontrer. Merci, 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 merci. Ah bah non, bah je suis un enculé, voilà, c'est moi c'est dit. Mais c'est impossible qu'il joue la même version que moi. À part si je me fais stream hack, qui serait j'ai pas de chance pour ma gueule parce que du coup voilà quoi, il y a que deux viewers, moi et un autre. La lumière sacrée. D'accord, d'accord, mais nique ta mère. En fait. En plus une version différente du deck qui joue. Tant mieux, tant mieux. Protocole 7. D'accord, carrément. Une nouvelle arme à consommer. Carrément. Magnétise, hein. On a la quête déjà. C'est refusé. Intéressant ça va. À faire. Au rapport. Me réveille.
Intéressant. Mais oui, c'est la bonne direction. Ah bah lui, il l'a eu. Moi, je l'ai pas encore eu. Votre présence m'offense. Une petite consécration, ce serait comme ça. Consécration. Consécration, bah non. Pas de consécration. Hop là. Bon, du coup l'adversaire, bon ben voilà quoi. Je commence à avoir deux dessus sur le board, lui il a pas encore fini sa quête. Votre présence, là il l'a fini. Et du coup il va pionner son œuf. Ça paraît logique. Ouais, c'est chopé des AOE. Bon, on reste en statu quo. On va le laisser faire ses propres trades. Votre pour. Magie ne vous d'accord. Pas. Bien, bien, bien. Votre présence me force. Il a signé son arrêt de mort là. La victoire vous appartient. Mon père. Petite série de victoire. Donc là, bon, on est en 4-2. Enfin, ouais, c'est ça, 4-2. Tout va bien. Et du coup, mon deck, il a redisparu. Ma deck, il a redisparu. On peut pas faire en sorte de l'avoir tout le temps en premier plan. Je combattrai avec honneur. Ah, voilà. Il y a son main de départ, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc tour 1, tour 2. Et je risque sûrement de choper des réincarnations derrière. Heureux de vous rencontrer. Salut vous. Je me demande ce que c'est comme guerrier. Ça va saigner. D'accord, je vois ce que c'est comme guerrier. Mais oui, c'est la bonne direction. J'ai eu Fichu jouer ce deck. Je suis rapide et dangereuse. C'est un deck qui pioche énormément. Et après qui améliore ses bêtes blessées.
D'accord, pas du tout en fait. C'est un guerrier chelou. Il est obligé de mieux gérer les deux. S'il ne la gère pas, je vais sûrement mettre des villages dedans. Et force ça. On y croit. C'est pas perdu, c'est pas gagné. En tout cas, le deck il m'étonne très bien. D'accord. Il a encore joué cette carte. Bon, on a sauvé les pots cassés avec un petit peu de glu. Je un petit peu de me réveille. Retournez au travail. C'est loin d'être ce qu'on veut, hein. C'est loin d'être ce qu'on cherche. Chef de guerre.
obligé de la jouer défensive parce que j'ai beaucoup de PV. Je peux très vite me les descendre avec. Avec. Comment ça s'appelle déjà la 6-2 là. La 6-2 qui est à charge. Et ça peut aller très vite. Et en plus de ça, il peut la cloner donc du coup, ça peut être très dangereux. Je peux perdre mes 10 points de vie ou 12 points de vie en un claquement de doigts. Donc c'est pas grave, voilà, comme ça je finis ma quête. Et lui du coup je le clone. Là déjà ça va un petit peu mieux. Donc c'est bien, j'ai bien joué le tour d'avant. J'aurais pas joué comme ça, je pense que je me serais pris sa charge là, 6-2. Il aurait cloné sûrement. Ouais. Après ça éviterait de se blesser, non. Notre foyer, nos tombes. Moi c'est un bon, il me redonne tout mon point de vie. Donc jusqu'ici tout va bien. Ça va, t'as top deck. Hop, de... La puissance. Ah, je vois pas. Je pense que tu joues mon cœur, je sais pas du tout. Bon bah voilà, hein. Encore une victoire. Tout va bien pour le moment pour Zek. Je vais régler encore un petit peu. Hop. Là, on va foutre en bas. Hop. 5-2. Pour le moment, tout va bien. Uther contre Jaina. Vous l'avez cherché. Je combattrai avec honneur. Et Mulligan, mais il est assez facile, il faut juste essayer de chercher des réincarnations, des parties, ou alors appel de l'aventurier qui peut être pas mal, cristallographie encore mieux, ça c'est le top du top. Cristallographie c'est vraiment ce qu'on peut choper de mieux. Mais ouais, essayer d'avoir des réincarnations dans sa main en même départ. Et la plupart des cartes de pioche nous font piocher des réincarnations, plutôt pas des cristallographies. Réincarnations. Les matchs, c'est pas ma tasse de thé, je trouve. Heureux de vous rencontrer. Mais bon, c'est j'ai ma pauvre Lucette. Bien, bien. Je sais pas si j'utilise pas maintenant. Tu vois. Comme tu as des cartes, un A d'attaque.
permet d'épurer le deck, surtout, c'est surtout ça en fait. Du coup, ça fait moins de cartes dans pioche, donc du coup, plus de chances d'avoir les cartes qu'on veut. Et je pense que je dois être plutôt agressif. Je pense. Je me réveille. Déjà, j'en ai 3 sur 5 en main. Tranquillement, sans se presser. Là, au prochain tour, je fais micro-momie et je remets la deuxième berserker du temple. Donc ça m'en fera 3 sur 5 déjà. Une nouvelle arme à consumer. Je sais pas du coup. Je me demande si je dois pas plutôt championne. Mais j'ai encore des PV donc je pense que non. Je me réveille. Fuyez. Ça il va m'envoyer une petite... il va m'envoyer son pouvoir héroïque dedans, c'est obligé. C'est obligé. Il a détruit. Ou alors peut-être qu'il a un AOE, mais normalement, voilà, c'est pouvoir héroïque dans la 4-1, c'est normal. Ça paraît logique. Ouais, mais ça m'a chelou. Donc on va essayer de monter dans le ladder avec ce deck, hein, que j'affectionne. Voilà. Hop, merci. Mais oui, c'est la bonne direction. Fuyez. Une nouvelle arme à consommer. Oups. Merci. Il prend des dégâts mais c'est pas grave. On se garde le monstre sur le board. Je vais être obligé de la pouvoir héroïque, la 4-1 encore une fois. Je pense. Ou alors peut-être qu'il a un AOE mais ça m'étonnerait. Je pense plutôt qu'il va pouvoir héroïque et jouer quelque chose. Non, même pas. Je sens bien le... Ah bah non, ouais, je vais le voir. Nickel. Pas sympa s'il l'utilise maintenant, au moins il ne l'utilisera pas sur les œufs. Mais je chope pas mon dernier... mon dernier machin, là, mon dernier, ma dernière réincarnation. Il manque une réincarnation pour finir ma quête. Évitez de jouer les œufs ou les dragonnets mécaniques si vous n'avez pas la quête parce qu'ils peuvent être très vite détruits et après pour les une fois qu'ils sont détruits pour les gagner c'est compliqué. Tout simplement. Du coup ça va lancer un sort au hasard, ça c'est ça. Oh, putain, d'accord. Bien joué, hein. Bien joué. Vous êtes entre mes mains désormais. Chè. C'était une erreur. Chè. Oh, mais il me rince le mec. Putain, il se fout trop dans la merde.
énorme, énorme. Chef. Chef. Il s'est pris le retour de bâton. Et bim. Donc 6-2 pour le deck. 6-2. Vous avez bien entendu. Merde, c'est pas ça. 6-2. Il a voulu jouer, ben il a perdu le pauvre. Ah putain, ça rebug. Uther contre Jaina. Vous l'avez cherché. Je combattrai avec honneur. Bon, ben, on va éviter quand même de garder l'arme à feu dans la main. On va rester raisonnable. Mais reste là, le deck tracker là, putain. Pourquoi est-ce qu'il veut pas rester en premier écran là, le deck tracker, c'est chiant. Heureux de vous rencontrer. Putain. Donc encore une fois, on va être agressif, on utilise la pièce pour essayer d'avoir nos réincarnations, voilà, c'est parfait. Donc on en a déjà 4 en main. Et celle-là, bah, elle va sûrement nous donner la 5ème. Bon bah il veut pas rester en place le deck tracker, ça me casse les couilles là. Il me casse les couilles, voilà. Ben maintenant oui, ok. Ok. Je me réveille. Je crois normalement j'utilise celle-là, mais je pense que là on va utiliser celle-là. Non. Non, si. Ici, carrément, non. Donc ça c'est un mage appel de l'avocateur, quasiment sûr à 200%. Quasiment sûr à 200%, ça veut rien dire, d'accord. Est-ce que ça va être contre-sort? A chaque fois je l'oublie moi cette balise de flamme là. Me réveille. Prochain tour, j'ai fini ma quête. Vous avez besoin d'une clé? J'aurais dû finir ma quête avant. Je me demande. Après c'est compliqué parce que il y a la moitié de ton deck c'est le tien, il y a la moitié du deck c'est pas le tien. Ah d'accord.
Notre foyer, nos tombes. Dégagez, intrus. Notre foyer, nos tombes. Là, c'est le début de la fin pour lui. Au prochain tour, au magnétisme, le provocation bouclier divin. On clone. On va clone à l'infini. Puis voilà quoi. On va dire que c'est une très victoire. Dégagez. Dommage de l'avoir fait maintenant celle-là. D'accord. Vos désirs ne sont que des... Ah le bâtard. Il va choper le silence à eux. C'est obligé. Là maintenant il va faire un AOE. Ou au prochain tour plutôt. Ah non, il a peut-être Nova. Il a peut-être Nova. Je vais gagner gros. Ça aurait pu être contre sort, j'aurais jamais dû faire ça en fait. C'était dangereux pour moi. Mais bon. Heureusement c'était pas contre sort qu'il avait. Mais j'avoue là j'ai mal joué. Ça aurait été contre sort, j'aurais été en PLS. Vous avez besoin de mon aide. Ça prépare la fin du deck avec plein de boules de feu. Mais oui, c'est la bonne direction. Ça leur a pas fait beaucoup de boules de feu. Parce que je me suis déjà fait avoir comme ça. Par la lumière sacrée. Je pense que mon adversaire avait en PLS. Que faire? Ça va, tranquille.
faire plein de sous. Vent du sud, venez à mon aide. Ce n'était pas sur la carte. Oh, professeur, bâtard. Genre, ça joue ça dans son deck. C'est la PLS de votre vie. Et vas-y que ça progresse dans le classement. Trop fort. Trop fort. Allez. Hop. 7-2. On a commencé quand même par deux défaites. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Tu me détruis. Il va trop chercher. Uther contre Liadrine. La flamme sacrée embrase ma lame. Je combattrai avec honneur. Merde. J'aurais peut-être dû garder le consécration en fait. Heureux de vous rencontrer. J'ai failli passer le tour 1 alors que je m'inquiète pas à tuer. Par réflexe. Ça va. Ça aurait été un paladin murloc. Ça aurait été moins drôle. On est pas mal là. On chope les bonnes cartes. Mais oui, c'est la bonne direction. Pas mal. Votre présence m'offense.
puissance m'offense. Mais tu sais pas. Lui c'est bête de merde en fait. C'est ça que j'ai copié en ligne. Enfin ce que les youtubeurs y jouent. Au rapport, membre après membre. Ouais, on va peut-être réussir à tuer sans la quête. Hein. J'ai déjà 14 PV, on est tour 6. J'ai mis mal. Lui, par contre, il a déjà fini sa quête. Il va forcément débloquer celle-là, je pense. Comment est-ce qu'on va faire pour sortir de là? On manque combien? On manque deux. Je me demande. La question se pose quand même. Question se poser, c'est normal.
par la lumière sacrée. Et ouais, mec. C'est con, ça. Hein. Ils servent à rien, tes dragonnets mécaniques. Je ne fais pas d'erreur. D'accord. Ok, il est joué avec ce deck. Ok. Je ne fais pas d'erreur. Je les enterre. Putain, j'ai pas eu consécration, quoi. Ça va, vas-y, viens que ça. Oh. Je les enterre. Elle était intéressante comme cette game. Bien joué ça. Je suis one off. Je me demande. Je suis one off. Je suis one off. Dois agir et vite. Laissez-moi. Unité, précision, perfection. Non. Et voilà, bah comme quoi, il y a des fois, bah, je joue mal. J'aurais dû d'abord taper avec celle-là. J'aurais pioché ma championne. Et j'aurais eu les dégâts qui me manquaient et j'aurais gagné. Mais bon, là, du coup, il faut d'abord qu'il passe mon mur. On dirait qu'il pourra pas. Et après, ouais, j'ai gagné. Mais là, pour le coup, j'ai mal joué. Hein. J'aurais dû d'abord taper avec ma pioche. Hop là. Et 8-2 pour le deck. 8. C'est super. Donc du coup, bon, on va en rester là pour aujourd'hui. Je remercie à tous de m'avoir regardé. Pensez à me suivre pour retrouver d'autres de mes lives. Et de toute façon, la vidéo sera copiée pour être mise sur YouTube. Donc j'espère vous voir nombreux dessus. C'est Primo GMG. Allez,